Regina celile dare, alleluia. Quia veneruris tibata re, alleluia. Resurrexit, sic ut dixit, alleluia. Ora pro nobis eum, alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia. Quia solicit Dominus Rei, alleluia. Oremus, Deus qui per resurrectionem filii tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quae sumus ut per eo genitricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per eum dem Christum Dominum nostrum. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Les yeux vers les montagnes.
Lecture du livre des Proverbes. Le Seigneur réserve aux hommes droits la réussite. Pour qui marche dans l'intégrité, il est un bouclier, gardien des sentiers du droit, veillant sur le chemin de ses fidèles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Prions le Seigneur.
Dieu créateur de l'univers, tu veux que l'homme, par son travail, te rende gloire en continuant ton œuvre. Permets en ta bonté qu'à l'exemple de Saint Joseph et sous sa protection, nous accomplissions les tâches que tu nous donnes et recevions la joie promise au bon serviteur par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, faites l'unité des esprits dans la vérité et l'union des cœurs dans la charité. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la conversion de Clovis et du baptême de la France. Nous vivons notre grande neuvaine dans le contexte d'une France à la recherche d'elle-même, à la recherche de son identité profonde. L'histoire d'un pays, c'est comme l'histoire d'un arbre millénaire. Si l'arbre oublie ses racines et les coupe, il se dessèche et il meurt. S'il reste fidèle à ses racines, il peut non seulement continuer de vivre, mais aussi porter beaucoup de fruits. Alors, remontons aux racines de la France. Et ces racines, c'est le baptême de Clovis et de ses soldats francs en 496. Philippe de Villiers a consacré un beau livre à ce qu'il a appelé le « Mystère Clovis ». Dans cette présentation, je citerai de larges extraits de ce livre où Philippe de Villiers fait parler Clovis à la première personne. L'âme franque dans laquelle baigne Clovis depuis sa naissance exaltait la force, le sens de l'honneur, la bravoure au combat et la soumission à leur chef. Mon père, c'est Philippe de Villiers qui fait parler Clovis, mon père m'enseigna l'âme franque. Il y a chez nous des lois de l'honneur qu'il me fallut inscrire dans mon cœur. Quand l'heure du combat vient de sonner, la honte frappe le chef si quelqu'un le surpasse en courage. Mais elle frappe à leur tour les compagnons si leur bravoure n'égale pas celle du chef. À la mort de son père Childéric, Clovis s'exclame : leur chef était pour eux leur raison de vivre. Ce n'est que dans la guerre qu'ils ont l'âme en paix. Le chef de la tribu s'en est allé, ils sont désemparés. Mais voici que Clovis va succéder à son père et malgré sa jeunesse, va se révéler un excellent chef de guerre qui va remporter rapidement ses premiers combats et l'unité se fait autour de lui. Une unité cependant qui semble prête à voler en éclats au moment de l'épisode du vase de Soissons où un soldat brise ce vase parce que Clovis avait demandé de le mettre à part lors du partage du butin, pour le rendre à l'évêque auquel il avait été volé. Que s'est-il passé? Saint Grégoire de Tours a raconté la scène. Saint Grégoire est né moins de 30 ans après la mort de Clovis. Il donne un témoignage au plus près des événements auxquels nous pouvons donc accorder le plus grand crédit. Voici ce que rapporte Saint Grégoire. Un guerrier présomptueux, jaloux et emporté, éleva sa francisque et en frappa le vase, s'écriant « Tu ne recevras de tout ceci rien que ce que te donnera vraiment le sort. » À ces mots, tous restèrent stupéfaits. Le roi cacha le ressentiment de cet outrage sous un air de patience. Il rendit au messager de l'évêque le vase qui lui était échu, gardant au fond du cœur une secrète colère. Un an s'étant écoulé, Clovis ordonna à tous ses guerriers de venir au champ de Mars, revêtus de leurs armes, pour faire voir si elles étaient brillantes et en bon état. Tandis qu'il examinait tous les soldats en passant devant eux, il arriva auprès de celui qui avait frappé le vase et lui dit « Personne n'a des armes aussi mal tenues que les tiennes, car ni ta lance, ni ton épée, ni ta hache ne sont en bon état. » Et lui arrachant sa hache, il la jeta à terre. Le soldat s'étant baissé un peu pour la ramasser,
le roi, levant sa francisque, la lui abattit sur la tête en lui disant « Voilà ce que tu as fait au vase à Soissons. » Celui-ci mort, il ordonna aux autres de se retirer. Cette action inspira une grande crainte. C'est un épisode de la vie de Clovis qui nous révèle bien les traits de son caractère. Clovis a un grand sens de la justice, mais son cœur est beaucoup plus porté à la violence qu'à la clémence. Clovis est un meneur d'hommes et il n'accepte pas que ses soldats lui manquent de loyauté et remettent en cause son autorité. Il avait engagé sa parole auprès de l'évêque et il n'admet pas que l'homme d'armes qui lui est attaché remette en cause cette parole. Bientôt, Clovis va faire une rencontre décisive avec un homme très influent, l'évêque de Reims, Saint-Rémy. Ce dernier, dont la foi profonde se conjugue avec une grande intelligence, pressent que Clovis peut être l'homme providentiel. Celui qui, s'il ouvre son cœur au Christ, pourra faire l'unité des Gaules. Clovis découvre en Saint-Rémy un homme d'une immense foi, d'une grande sainteté et d'une grande culture. « Je me sens un peu écrasé. Je découvre un homme supérieur. Il est tout en altitude. J'ai peur d'être maladroit. » Il connaît tout ce qui nous sépare et, par une délicatesse insigne, se tient à bonne distance de mes béances sur les questions de religion. Bientôt, Clovis a fait, par son génie de chef de guerre, l'unité de la Gaule qui se situe au nord de la Loire. Ou presque. Lutèce, qu'on appellera plus tard Paris, Lutèce résiste envers et contre tout. Depuis la rive, Clovis assiste, étonné, à la résistance de ses habitants. Une résistance organisée, il l'aperçoit de loin, par une femme au fort tempérament qui mobilise toutes les énergies. Cette femme, c'est Sainte Geneviève. Mais Clovis, lui, ne le sait pas encore. Il sait encore moins que Geneviève, prévenue par son ami Rémy, évêque de Reims, va finalement accepter d'ouvrir les portes de Lutèce à Clovis et à ses soldats. Et là, quand Geneviève ouvre les portes de Lutèce, Clovis découvre celle qui a organisé si vaillamment la résistance de la ville et qui est déjà une femme âgée. Clovis parcourt avec elle la ville de Lutèce et se rend compte de l'immense popularité de cette femme qui, autrefois, alors toute jeune, avait empêché les habitants de Lutèce de fuir leur ville au moment où l'on annonçait le passage d'Attila et de ses Huns. Je comprends pourquoi elle est ainsi adulée sur son passage. Elle a traversé toutes les épreuves, surmonté toutes les frayeurs, relevé tous les courages. Elle a surtout sauvé Lutèce. Une amitié vient de naître entre nous. L'amitié sera forte surtout entre Sainte Geneviève et Sainte Clotilde, entre ces deux femmes au cœur de feu qui vont gagner le cœur de Clovis au cœur de Dieu. Car peu de temps après, Clovis rencontre Clotilde dont Rémy lui a tant parlé. Rémy est convaincu que ce mariage avec cette princesse, qui est une sainte, qui est catholique, dont le cœur appartient à Dieu, peut aider Clovis dans sa conversion. Et Rémy, Saint Rémy, ne sera pas déçu, même si le chemin sera long. Clotilde est une femme de cœur et de caractère. Elle ne craint pas de parler à Clovis du Christ qui a donné sa vie pour nous sur la croix. Elle l'invite, le presse même, à se convertir au Christ et à abandonner les faux dieux. Elle obtient de Clovis le baptême de leur premier fils. Mais après la mort de leur premier fils,
qui avait été à peine baptisé, Clovis s'emporte. Quel est donc ce Dieu qui frappe une mère, un père et leur enfant, et qui attend en retour qu'on lui dise merci? Si notre enfant avait été confié à mes dieux, il ne serait pas mort. Mais Jésus attendait Clovis. Il attendait patiemment. Il attendait que Clovis soit dans l'échec le plus cuisant, condamné à la mort la plus violente, pour que Clovis se tourne vers lui. Et cette heure va venir, elle va se passer à Tolbiac, en 496. L'ennemi est redoutable. C'est la puissante armée des Alamans. Et là, au cœur du combat, alors que les Francs reculent tous sous la puissance des Alamans, alors que Clovis se retrouve seul, isolé, voué à une mort certaine, il pense au Dieu de Clotilde et il l'invoque de toutes les forces de son âme. J'entends la petite voix de Clotilde en moi qui me murmure « Clovis, Clovis, agenouille-toi ». Mes troupes se débandent, la fuite est générale. Je mets un genou à terre. Je n'ai plus qu'un seul recours pour me sauver du désastre. Mettre les dieux en rivalité et choisir le meilleur. Le mien ne répond pas. J'essaie le dieu de Clotilde. Lentement et pour la première fois, je m'adresse à lui. Seigneur, on m'a 100 fois révélé votre toute-puissance. Au-dessus de toutes les puissances de la terre et de celles des dieux que j'ai adorés jusqu'à maintenant, daignez m'embailler une marque dans l'extrémité où je me trouve réduit. Si vous m'accordez cette grâce, je suivrai mon épouse jusqu'au baptistère de Reims pour ne plus me prosterner désormais que devant vous. Quand je me relève, je vois face à moi, qui semble sorti du néant, le roi des Alamans. Il brandit son scramasax. Je me retourne vers mes soldats en fuite. Je lève les bras. Ils reviennent vers moi, comme portés par un nuage bienfaisant, et retrouvent leurs ardeurs des premiers chocs. Que se passe-t-il? Le roi des Alamans ouvre sa main tremblante. L'arme tombe à terre. Il tourne bride. Je le pourchasse et le transperce de ma framée. Il chute de son cheval. Je l'achève. La rumeur tourne comme une pluie d'éclairs autour de l'orage. Le roi des Alamans est mort. Ce peuple se sent soudain à son tour délaissé par ses dieux. La victoire, la force, l'ardeur changent de camp. Les Alamans s'enfuient ou se rendent. Cette victoire marque un tournant dans l'histoire de Clovis, bien sûr, mais aussi dans l'histoire de la France. Clovis le sait. Ce succès-là ne doit rien à son génie de chef de guerre, ni à sa bravoure. Cette fois-là, sans un secours surnaturel, il aurait été vaincu, et même il serait mort. Cette victoire, c'est celle du Christ. C'est à lui qu'il veut rendre hommage, en recevant les baptêmes des mains de son ami, en recevant le baptême des mains de son ami, l'évêque Saint-Rémy, en la cathédrale de Reims. Clovis s'y prépare de tout son cœur avec les soldats francs. Le jour de Noël 496, Clovis et environ 3000 soldats se font baptiser en la cathédrale de Reims par l'évêque Saint-Rémy. Ce dernier, lors de l'immersion de Clovis dans le baptistère, lui dit à voix haute « Courbe la tête, fier sycambre, abaisse humblement ton cou, adore ce que tu as brûlé et brûle ce que tu as adoré. » Clovis devient alors roi par la grâce de Dieu et les saintes huiles et parvient encore dans les années qui suivent à unifier les différentes provinces de la Gaule sous la bannière franque et à présent catholique. L'acte de naissance de la France chrétienne,
C'est donc ce jour de Noël 496 où Clovis, le roi si fier, a courbé humblement la tête pour recevoir le baptême du roi des rois et seigneur des seigneurs. Mais ce roi d'amour est mort pour nous sur une croix. Clovis a eu bien des difficultés à adhérer à ce Dieu si différent des dieux auxquels il croyait depuis son enfance. Si Clovis s'est converti au Christ, c'est parce qu'il a rencontré sur son chemin de grands saints, particulièrement sainte Clotilde, sainte Geneviève et saint Rémi. Demandons en ce jour à ces grands saints la grâce de continuer ce témoignage de sainteté pour que la France redevienne fidèle à sa mission, éducatrice des peuples grâce à son alliance avec la sagesse éternelle, alliance contractée sur les fonts baptismaux de Reims. Bien chers amis, bien chers jeunes amis, après ce beau témoignage de notre frère Martin sur le baptême de Clovis et de la France, je voudrais tout simplement prendre la consigne de cordée que je viens de décrire et qui va être mise sur le site en ce jour. Dans l'introduction à la consigne spirituelle de mai 2019, j'avais écrit « Nous venons de vivre une semaine sainte vraiment pas comme les autres. » Nous pouvons reprendre les mêmes mots en ajoutant « Jamais dans l'histoire de l'Église, les baptisés n'avaient été privés, comme cette année, de la participation aux offices du Triduum Pascal, de la confession sacramentelle et de la communion pascale. Nous comprenons votre grande souffrance, nous la partageons, et nous avons souvent demandé à Jésus de venir en vos cœurs pour vous consoler et vous fortifier. Ne perdons pas confiance. Entrons dans le mois de Marie, le mois le plus beau, avec cette conviction inébranlable, le cœur immaculé de Marie triomphera. Pour préparer ce triomphe, offrons à la Vierge Marie les sacrifices de ce confinement et notre ferme résolution de fidélité aux promesses de notre baptême, comme vient de nous le dire notre frère Martin. Nous rendons grâce à Dieu d'abord pour l'acquittement du cardinal Pell, qui a passé 405 jours en prison en Australie, sans pouvoir célébrer la messe ni communier. 405 jours. Cette décision de la Haute Cour d'Australie par les 7 magistrats de la juridiction qui tous les 7 ont unanimement acquitté le cardinal. Cette décision répare, disait le cardinal Pell, une grave injustice. Alors que ce que le cardinal Pell a souffert pendant 405 jours nous aide à offrir ce que nous souffrons aujourd'hui. Pour cette consigne de cordée du mois de Marie 2020, ces mots de saint Fidèle de Sigmaringen nous ont inspirés. Ce capucin, né en Allemagne,
et qui est devenu capucin à Colmar, disait « Ô foi catholique, comme tu es ferme, comme tu es inébranlable, bien enraciné. » Le témoignage des martyrs d'Abitène, qui se trouve aujourd'hui en Tunisie, Abitène, donc, est en Tunisie, nous a donné la deuxième partie de la consigne de ce mois. Sine Dominico non possumus. Alors, c'est très difficile à traduire parce que j'ai un frère qui m'a fait une petite correction pour me dire il ne faudrait pas traduire sans Jésus Eucharistie, il faudrait dire sans le dimanche. Mais en italien, le dimanche se dit la Domenica, c'est féminin. Ici, nous avons un masculin, Dominicus, donc qui est ici l'ablatif Dominico. Donc c'est le jour du Seigneur, c'est le Seigneur ressuscité. Sans le Seigneur ressuscité, nous ne pouvons pas vivre. Et nous allons voir que c'est bien ainsi que l'a compris Benoît XVI dans l'homélie qu'il a donnée le 29 mai 2005 à Bari au cours d'une messe du congrès eucharistique, au tout début de son pontificat. Bien, cette deuxième partie va nous aider à vivre dans l'espérance ces derniers jours de confinement. Il faudrait dire ce dernier mois. Sans Jésus Eucharistie, nous ne pouvons pas vivre. Saint Ignace d'Antioche, disait Benoît XVI, définissez les chrétiens comme ceux qui sont parvenus à la nouvelle espérance. Et il les présentait comme des personnes vivantes selon le dimanche. Dans cette perspective, l'évêque d'Antioche se demandait « Comment pourrions-nous vivre sans lui, que les prophètes aussi ont attendu ?» Nous entendons, disait Benoît XVI, retentir dans ces paroles de saint Ignace l'affirmation des martyrs d'Abitène « Sine Dominico non possumus ». C'est précisément de là que jaillit notre prière que nous aussi, chrétiens d'aujourd'hui, retrouvions la conscience de l'importance décisive de la célébration dominicale et sachions tirer de la participation à l'Eucharistie l'élan nécessaire pour un nouvel engagement dans l'annonce au monde du Christ notre paix. J'ai noté dans le texte que vous allez recevoir, dernière minute, puisque cela avait été écrit un jour avant, plusieurs évêques français ont fait savoir leur profond mécontentement et même leur colère après l'annonce faite par notre Premier ministre ce mardi que les cultes ne reprendront pas avant le 2 juin. Le ton du Premier ministre, se débarrassant des religions en trois phrases lapidaires, est indigne de notre démocratie, a fustigé Mgr Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, dans un entretien à l'Obs. Il y a là quelque chose qui ne va pas, a réagi l'archevêque de Paris, Mgr Michel Houpetit, au micro de Radio Notre-Dame. On avait proposé le 16. Il y a quelque chose qui n'est pas respecté, ajoute-t-il. Comme si on était des gamins incapables de mettre en place quelque chose. L'archevêque de Paris a l'impression que nos gouvernants, quel que soit leur bord, manquent de quelque chose d'essentiel. L'anthropologie, on l'a vu avec les personnes âgées, il ajoute que les politiques sont de très bons administrateurs, mais leur anthropologie, c'est zéro.
Alors pour ceux qui n'ont pas fait parmi vous de la philosophie, qu'est-ce que l'anthropologie? C'est ce qui concerne l'étude de l'homme et l'homme dans toutes ses dimensions. L'homme n'est pas simplement matière. L'homme est corps et esprit. Il a un corps et une âme. L'homme ne trouve sa réalisation qu'en Dieu, car il est créé par Dieu et il est créé pour Dieu. C'est cela, une saine anthropologie. Monseigneur Robert Le Gall, archevêque de Toulouse, a mis en garde les autorités devant le caractère inacceptable de cette attente sacramentelle qui n'en finit pas pour les fidèles, des célébrations clandestines vont se mettre en place. Le résultat sera pire finalement. Les pouvoirs publics vont essayer de les interdire, mais on passera outre en certains lieux. Il aurait mieux valu autoriser le culte public progressivement et calmement, en nombre limité, comme nous l'avions proposé au gouvernement. Nous n'avons pas été entendus. Cette interdiction prolongée du culte va entamer gravement notre confiance en ceux qui nous dirigent. Donc, venons-en à notre consigne spirituelle en deux parties. Ô foi catholique comme tu es ferme, sine dominico non possumus. La foi de Saint Fidèle, fêtée le 24 avril, devrait nous aider à vivre de la foi. Donc le frère Fidèle, au civil Marc Ré, est né en 1577 à Sigmaringen en Souabe, en Allemagne. Il étudia d'abord la philosophie et le droit et il commença à Colmar une brillante carrière d'avocat qu'il abandonna à 34 ans pour entrer chez les Capucins de Fribourg en Brisgau. Donc je m'étais trompé tout à l'heure, il est parenté comme Capucin à Colmar, mais à Fribourg, et à Colmar il a été avocat. La réforme protestante s'étendait alors dans les pays germaniques. Le frère Fidèle se lança dans la controverse par le ministère de la prédication. Sa parole et son exemple gagnèrent de nombreuses conversions. Même les protestants convaincus étaient séduits par ses paroles et l'appelaient l'ange de la paix. Pendant 10 ans, frère Fidèle parcourut ainsi l'Allemagne du Sud, l'Autriche et la Suisse. Au cours d'une mission dans le canton des Grisons en Suisse, il fut mis à mort par des protestants. Puisse frère Fidèle, qui a bien vécu son nom, puisque les disciples de Jésus sont appelés les fidèles, et les fidèles, c'est celui qui est fidèle à la foi, nous obtenir cette grâce de la fidélité à la foi. La parole de Dieu choisie pour cette consigne, c'est le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux. Bon, j'ai mis versets 1 à 17, mais on peut prendre tout le chapitre, hein, car tout ce chapitre est très important au sujet de la foi. Cette parole de Dieu est très éclairante. Le mot foi est cité 24 fois dans ce chapitre 11 de la lettre aux Hébreux. 24 fois. Notre Père fondateur a commenté pour nos amis le 25 décembre 1988 cet important chapitre 11 de la lettre aux Hébreux. Et je vais le citer abondamment. Cette définition de la foi est très riche, écrit le Père. Riche d'abord parce qu'elle met en rapport vital la foi et l'espérance. La foi est le fondement, la substance,
le moyen de posséder déjà ce que l'on espère. C'est le début, le tout début de ce chapitre 11, le premier verset. Et on peut dire, ce premier verset est fondamental. Cette foi n'est pas la vertu purement intellectuelle, sans lien avec les autres vertus théologales. Elle est tournée forcément vers l'amour de charité, car comment espérer d'un grand désir et avec confiance l'objet de la foi qui est Dieu, le ciel et les réalités divines sans la vertu de charité? Il ne s'agit donc pas, écrit le Père, de la foi dont saint Paul dit en 1 Corinthiens 13:2 quand j'aurai toute la foi à transporter les montagnes, s'il me manque la charité, je ne suis rien. Il s'agit plutôt, dit le Père, de cette foi liée à l'espérance et à l'amour, dont au verset 7 de la première aux Corinthiens chapitre 13, saint Paul dit « La charité souffre tout, croit tout, endure tout. » Et encore au verset 13 « Maintenant donc demeure la foi, l'espérance et la charité, ces trois biens, mais l'amour-charité est le plus grand. Car c'est vrai, écrivait encore le Père, la foi sur la terre est un bien limité. » En ce même chapitre 13, verset 12 de la première aux Corinthiens, saint Paul nous dit « Maintenant, nous voyons dans un miroir et de façon confuse. Mais alors, ce sera face à face. Maintenant, ma connaissance est limitée. Alors, je connaîtrai comme je suis connu. » Cependant, saint Paul ne dit pas que la foi et l'espérance disparaîtront au moment du passage à la vie éternelle, car ce sont des biens spirituels et donc éternels qui demeurent jusqu'au moment où ils s'épanouiront dans un état supérieur de vision et de possession. C'est peut-être un peu compliqué de comprendre ce que le Père ici veut nous dire à la suite de saint Paul. Donc la foi, cette réalité de la foi qui nous permet aujourd'hui de posséder la substance de ce à quoi nous croyons et nous espérons. Donc aujourd'hui, nous possédons cette substance, nous possédons, nous participons à la connaissance de Dieu. Eh bien, c'est comme si nous avions cette réalité, mais qu'il y ait un voile qui nous empêche de la voir. Donc, lorsque nous serons arrivés dans la vie éternelle, c'est en ce sens-là que le Père, à la suite de saint Paul, veut nous dire que ces réalités ne vont pas disparaître, mais qu'elles vont arriver à leur accomplissement, c'est que la même connaissance que nous avons maintenant dans la foi, nous l'aurons alors dans leur accomplissement, le voile sera enlevé et nous verrons face à face Dieu et toutes les réalités auxquelles nous croyons. Mais déjà sur terre, saint Paul nous dit, maintenant nous voyons. Alors bien sûr, nous voyons dans la foi, mais nous voyons. Je vous invite, écrivait le Père, à vivifier par-dessus tout votre foi profonde, à en jouir, à posséder déjà ce que vous connaissez par la foi de l'Église, par la connaissance de la parole de Dieu. Nous sommes d'une certaine façon comme Dieu, hors du temps, dominant le temps.
par la foi vive dans les mystères de notre salut, nous voyons l'Ancien Testament, la conception immaculée de la Vierge, la naissance de Jésus que nous célébrons comme un événement actuel. Là aussi, ce n'est que, je dirais, quelques phrases mises par écrit par le Père, mais nous qui l'avons connu pendant 30 ans, je peux vous dire qu'il avait beaucoup d'enthousiasme de parler de cette foi, beaucoup d'enthousiasme de dire que par la foi, nous qui vivons aujourd'hui en 2020, qui vivons confinés, qui vivons à tel endroit de la France, etc., ou d'autres pays du monde, puisqu'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont d'autres continents, eh bien, par la foi, nous sommes déjà comme hors du temps. Par la foi, nous participons déjà à l'éternité de Dieu. Mais nous y participons, bien sûr, en connaissant toutes les misères, on peut dire, de ce monde, toutes les souffrances des hommes de notre temps, toutes les imperfections de notre nature humaine. Par la foi, dit encore le Père, nous jouissons de la vie divine que nous avons reçue au baptême. Nous sommes en communion avec le Fils éternel du Père dans la Sainte Eucharistie. Nous préparons notre âme à la mort corporelle qui nous ouvrira à la vie. Par la foi, nous sommes aussi vraiment comme en présence de la fécondité du sacrifice rédempteur qui ne peut être vain et dont les effets sanctificateurs remplissent progressivement la Jérusalem céleste jusqu'au temps où le royaume de Dieu étant surabondamment peuplé, le temps cessera pour être transformé en éternité glorieuse. Par la foi, nous voyons l'invisible et déjà réellement nous en jouissons. Nous sommes consolés, fortifiés, nous possédons une vitalité divine que rien ni personne ne peut nous faire perdre, sinon l'ennemi auquel il faut bien sûr résister fort dans la foi. La foi nous donne comme une participation à la puissance créatrice de Dieu. Et cette puissance créatrice de Dieu, nous la voyons dans l'Évangile, dans la vie de Jésus. Lorsque Jésus dit à la mère « Tais-toi », elle se tait. Je vous engage, disait encore le Père, à relire entièrement le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux pour donc découvrir l'importance de la foi. Et particulièrement, cela nous aidera beaucoup à vivre ce mois de mai qui peut être encore et qui sera encore difficile pour plusieurs d'entre vous privé des sacrements. Mais la condition nécessaire de la possession de cette force de la foi, écrit enfin le Père, et qui nous rend invincibles et bienheureux au milieu de toutes les épreuves, c'est la prière. Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps, je vous le répète, réjouissez-vous, que votre sérénité soit reconnue par tous les hommes, le Seigneur est proche, Philippiens 4:4-5. Et le Père conclut, par la foi, Jésus est là, vivant en nos cœurs. Par la foi, nous le possédons. Par la foi, nous voyons l'invisible. Par la foi, nous avons la substance du ciel. Par la foi, tous les convertis de l'athéisme le proclament. Nous goûtons déjà à une certaine béatitude, sursum corda. Notre père fondateur aimait beaucoup citer cette expression. Sursum corda, ça veut dire ô les cœurs. Je vous bénis, disait le Père, pour vous fortifier dans votre foi. Puisse
ces paroles enthousiastes de notre Père fondateur nous aider à entrer en ce mois de Marie, pas comme les autres. Ce mois de Marie, on le redira tout à l'heure dans notre chapelet, va se terminer pour Pentecôte, puisque cette année, la fête de la Pentecôte sera le 31 mai. Donc vivons bien ce mois de Marie comme un grand cénacle, de nos évêques français vient de le dire, un grand cénacle pour que l'Esprit Saint vienne nous fortifier, vienne nous obtenir la grâce par le cœur immaculé de Marie d'être fort dans la foi. La parole de Dieu nous dit « Le juste vit de la foi ». Il serait peut-être bon, j'abandonne là mon texte, il serait peut-être bon de nous interroger sur ce que nous sommes en train de vivre. On l'a déjà dit en commençant cette année de confinement, ce mois de confinement, et nous avons dit que Dieu permet. Et pourquoi le permet-il? Je ne peux pas y répondre, mais où nous avons commencé par une grande liturgie pénitentielle pour demander pardon de nos péchés. Frère Martin vient de nous parler du baptême de la France, des conditions pour le renouveau de notre pays, pour le renouveau de notre foi. Il faudrait se poser la question, pourquoi notre Église en France aujourd'hui est-elle si peu prise en considération? Je viens de lire, juste avant de donner ce petit enseignement, une analyse très pertinente. Que pèse notre Église en France aujourd'hui lorsque les responsables politiques savent qu'il y a moins de 5% de pratiquants réguliers dans notre Église? Moins de 5% de pratiquants réguliers. C'est là qu'il faudrait que ceux qui m'écoutent, qui sont catholiques, qui ont un lien avec le Christ et avec l'Église catholique, se posent la question. Pourquoi suis-je devenu un catholique non pratiquant? Qu'est-ce que cela signifie d'être un catholique non pratiquant? C'est cela qui a créé une tiédeur. Et il faudrait peut-être, et même plus que peut-être sûrement, il faut que nous axions notre pastorale, notre évangélisation sur la pratique dominicale. Il faut rappeler aux chrétiens que sans le dimanche, nous ne pouvons pas vivre. Et c'est la deuxième partie de ma consigne spirituelle. La foi, oui, mais la foi a besoin de ce dimanche, et le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Le dimanche, c'est pas le week-end, c'est pas la fin de la semaine, c'est le premier et le huitième jour. C'est le jour où on célèbre la création et où on célèbre la résurrection. Donc, revenons à ce témoignage des martyrs d'Abitaine. Benoît XVI, au début de son pontificat, c'était le 29 mai 2005. Donc, il venait d'être élu pape le 19 avril précédent. Donc, Benoît XVI a présidé une messe du congrès eucharistique à Bari, et voici ce qu'il disait dans son homélie. Ce congrès eucharistique, qui arrive aujourd'hui à sa conclusion, a voulu présenter le dimanche
comme la Pâque hebdomadaire, expression de l'identité de la communauté chrétienne et centre de sa vie et de sa mission. Le thème choisi, « Sans le dimanche, nous ne pouvons pas vivre », nous ramène à l'an 304, lorsque l'empereur Dioclétien interdit aux chrétiens sous peine de mort de posséder les écritures, de se réunir le dimanche pour célébrer l'Eucharistie et de construire des lieux pour leurs assemblées. Donc, 304. On peut dire, on est au plus fort des persécutions, et 9 années plus tard, c'est l'édit de Milan et la liberté qui va être donnée aux chrétiens. Mais donc, 304, hein, interdiction de se réunir le dimanche, interdiction de posséder les écritures, interdiction de célébrer l'Eucharistie, interdiction de construire des lieux pour leurs assemblées. C'était fort. À Abitène, une petite ville située dans l'actuelle Tunisie, 49 chrétiens furent surpris un dimanche alors que réunis dans la maison d'Octave Félix, ils célébraient l'Eucharistie, bravant ainsi les interdictions impériales. Arrêtés, ils furent conduits à Carthage pour être interrogés par le proconsul Anulinus. La réponse, parmi d'autres, qu'un certain Éméritus donna au proconsul, qui lui demandait pourquoi ils avaient transgressé l'ordre sévère de l'empereur, est significative. Il répondit « Sine dominico non possumus ». Sans nous réunir en assemblée le dimanche pour célébrer l'Eucharistie, nous ne pouvons pas vivre. Les forces nous manqueraient pour affronter les difficultés quotidiennes et ne pas succomber. Après d'atroces tortures, ces 49 martyrs d'Abitène furent mis à mort. Ils confirmèrent ainsi leur foi à travers l'effusion de leur sang. Ils moururent, mais ils vainquirent. Nous les rappelons à présent dans la gloire du Christ ressuscité. Les martyrs d'Abitène, disaient encore Benoît XVI, représentent une expérience sur laquelle nous, chrétiens du XXIe siècle, nous devons réfléchir. Pour nous non plus, il n'est pas facile de vivre en chrétien, même s'il n'y a pas ces interdictions de l'empereur. On était en 2005, 15 ans plus tard, la situation a changé en Italie et en France. Mais d'un point de vue spirituel, le monde dans lequel nous nous trouvons, souvent marqué par une consommation effrénée, par l'indifférence religieuse, par un sécularisme fermé à la transcendance, peut apparaître comme un désert. Nous avons besoin de ce pain pour affronter les difficultés et la fatigue du voyage. Le dimanche, jour du Seigneur, est l'occasion propice pour puiser notre force en lui qui est le Seigneur de la vie. Le précepte de fête n'est donc pas un devoir imposé de l'extérieur, un fardeau qui pèse sur nos épaules. Au contraire, participer à la célébration dominicale, se nourrir du pain eucharistique
et faire l'expérience de la communion des frères et des sœurs dans le Christ est un besoin pour le chrétien, est une joie. Ainsi, le chrétien peut trouver l'énergie nécessaire pour le chemin que nous devons parcourir chaque semaine. Un chemin, par ailleurs, qui n'est pas arbitraire. La route que Dieu nous indique dans sa parole va dans la direction inscrite dans l'essence même de l'homme. Suivre la parole de Dieu, aller avec le Christ, signifie pour l'homme se réaliser soi-même, l'égarer équivaut à s'égarer soi-même. En vérité, nous avons besoin d'un Dieu proche, d'un Dieu qui se remet entre nos mains et qui nous aime. Dans l'Eucharistie, le Christ est réellement présent parmi nous. Nous pouvons réfléchir à tout cela, puisque cette consigne cordée, elle est valable pour tout ce mois de mai. Et chacun de vous qui allez la réfléchir, vous allez porter votre pierre, vous allez nous aider, et vous allez, je dirais, aider vos frères chrétiens. Parce que si tous les baptisés de France retrouvaient la fidélité à la foi catholique, si tous les baptisés de France retrouvaient le chemin de la messe dominicale, eh bien, ils ne se contenteraient plus même de la messe dominicale. Ça serait même la messe de chaque jour. Oui, la France changerait. Beaucoup nous disent aujourd'hui, le jour d'après, qu'est-ce qui va se passer après ce confinement? Ce ne sera pas pareil comme avant. Eh bien, frères baptisés, puisse ce temps encore de confinement vous aider chacun et chacune à redécouvrir. Que Jean-Paul II, nous allons le célébrer justement à la fin de ce mois, puisque le 31 mai, le 1er juin, ce sera 40 ans que Jean-Paul II était venu en France pour la première fois et qu'il nous avait posé ces deux questions fondamentales. France, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême? France, fille de l'Église, pour le bien de l'homme, es-tu fidèle aux promesses à ton alliance avec la sagesse éternelle? Oui, la France, plus que les autres nations, a un devoir. Et ce devoir, c'est à chacun de nous, français et baptisés, ou baptisés et français, de le réaliser. Alors donc, je trouve cette consigne de cordée très importante. La foi. Mais la foi, ce n'est pas simplement une foi intellectuelle. Avec la crise de la Réforme, on a perdu le sens, même si, dans un premier temps, chez les luthériens, la liturgie est vécue. Mais tout de même, on a perdu le sens de la présence réelle et substantielle du Seigneur dans l'Eucharistie. Mais la foi, si elle est purement intellectuelle, est une foi qui... à qui il manque une dimension. C'est cela que le Père avait voulu, sur quoi le Père avait voulu insister. La foi, l'espérance et la charité. Une foi sans espérance, une foi sans charité, ce n'est pas la foi chrétienne. Et donc une foi qui ne se nourrit pas, une foi qui ne trouve pas son accomplissement chaque jour, chaque semaine, dans la messe, sommet et source de toute activité chrétienne, n'est pas la foi que Dieu veut pour nous. Donc il nous faut absolument re-évangéliser. C'est ça la nouvelle évangélisation.
et faire découvrir à toutes, on peut dire, les générations de chrétiens d'aujourd'hui que nous avons besoin d'une conversion. Et si nous, les chrétiens, nous nous convertissons, eh bien, nous aiderons nos contemporains à comprendre pourquoi le culte chrétien est si important. Pourquoi nous sommes en colère parce qu'on ne veut pas nous laisser la liberté de célébrer ce culte chrétien en public. C'est pas simplement, c'est un droit que nous avons. C'est le Christ qui nous l'a commandé. Jésus, et nous vivons de Jésus. Nous avons besoin, et comme ces martyrs d'Abitaine, sine dominico non possumus. Est-ce que tous les baptisés français sont capables de dire cela? Est-ce que tous les baptisés français sont capables de dire « Sans la messe dominicale, je ne peux pas vivre ?» Et si tous les baptisés français disaient cela, alors nos hommes politiques seraient bien obligés de comprendre l'importance pour nous de l'Eucharistie. Je conclus avec Saint Fidèle et notre Père fondateur, soyons enthousiastes devant le don de Dieu qui est la vertu théologale de la foi. Oui, par la foi, nous participons à la connaissance de Dieu. Par la foi, nous participons à la vie même de Dieu. Puisse ce temps de confinement nous faire redécouvrir l'essence même de la vie chrétienne. Est-ce être chrétien? Ce n'est pas seulement croire intellectuellement, mais c'est vivre en communion avec Jésus et par lui, avec lui et en lui, en communion avec Dieu le Père, dans l'Esprit Saint, en communion avec tous les anges et tous les saints, en communion avec tous les baptisés du monde. Pour vivre cette communion en vérité, nous avons absolument besoin du sacrement de l'Eucharistie et de la célébration de la messe dominicale, sommet du dimanche chrétien. Sine Dominicus, non possumus, soyons les témoins courageux et zélés de la foi chrétienne et de l'Eucharistie. Donc, à 15h, nous commençons notre mois de Marie par une belle procession avec Notre-Dame de Fatima.